Actuellement, nous sommes dans la troisième étape du projet. Le talent se dévoile, la parole se libère et la famille entre dans les jeux. Pendant cette phase de création, les enfants ont commencé à s'exprimer avec confiance et ont rapporté leur contribution en famille. Le dialogue s'est mis en place. La phase de la détection des talents avait déjà commencé. Ici, nous présentons Esther, qui a maintenant une belle voix qui chante, et sa sœur qui est initiée à jouer au tambour. Ce sont les exercices de création avec les instruments de musique. Ils suivent le rythme du tam-tam en utilisant une chaise plastique qui permet de donner plusieurs sons à la fois. Penina joue au tambour à une chaise en plastique et sa sœur Esther chante. Et leur maman aussi maintenant très épanouie. Elle s'est aussi intégrée dans l'orchestre des enfants. Elle participe activement aux ateliers de création. Ceci suite à un encadrement qualitatif qui leur a redonné leur valeur. Nous remercions l'orchestre 8e Atout de notre organisation. Merci beaucoup aussi à la troupe théâtrale La Veilleuse qui fait à l'encadrement théâtral. Nous remercions aussi d'un grand cœur l'équipe d'animation psychosociale qui suit en psychologie ses enfants. Nos remerciements encore s'adressent à Culture Africa. Nous continuons le travail et nous vous disons merci. Attendez-nous l'année prochaine pour les festivités des enfants ayant un handicap mental et sensoriel.